Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre un petit peu le mammouth, histoire de récolter encore du bois. Je sais que je le fais assez souvent, mais il faut bien se bâtir une petite colonie. Donc vous avez vu, c'est que je me suis pas un petit peu connecté pendant quelques heures et tout a repoussé, tout ce que j'avais fait en fait avec le petit malin d'exécuteur. Donc c'est pas plus mal d'un côté, ça me permettra d'avoir encore un peu de pierre dans la base, etc. Donc là j'ai un petit peu envie d'installer un petit peu une base en haut quelque part. Je veux vous montrer. Ça peut être une idée parmi tant d'autres. Donc pour l'instant, j'en ai pas forcément parlé plus que ça de mon projet aux autres. Parce qu'en fait, j'ai envie tout simplement de pouvoir avoir une base de repli au cas où. Attendez, je vais un peu reculer. Donc là, s'ils parlent, c'est entre eux. Hein. Donc malheureusement. Attendez, je vais essayer de faire ça. Par contre, le mammouth, il pense quand même assez beaucoup. Hein. Attendez, voilà. Je me suis presque bloqué. Donc après, pourquoi ça fait ça? Attends, hop hop hop, petit problème. Voilà, c'est bon. Le mammouth, il est des fois pas évident en fait à maîtriser. J'ai commencé avant vous et le mien, il est loin d'être fini. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc vous voyez, en fait, je vais m'installer plutôt ici. Ouais, 80. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui sont là. Mais en fait, c'est ici que j'avais vu un petit peu le thriller en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est là que ça m'a motivé en fait de pouvoir m'installer. Attends. Je vais juste faire un truc si ça vous dérange pas. Attendez, volume voice. Et je vais le mettre un peu plus bas cette fois-ci. Je le mettrai juste après. Comme ça, on a le temps de parler. Oui, donc je disais tout simplement, je vais essayer de faire une base ici. En plus, parmi tant d'autres. Hein. Donc je sais pas s'ils avaient prévu d'en faire une là. J'espère pas. Comme ça, en tout cas, je pourrais vraiment essayer d'en faire une. Voilà, j'ai tué tout le monde. Comme ça, c'est fait. Je profite pour ramasser un peu de bois ici. Parce qu'il m'en faudra vraiment beaucoup. Ah, je crois qu'il y a un machin juste derrière, on a deux même. Allez, va-t'en de là. Et va-t'en de là. Ça, j'ai de la chance, c'est que le mammouth, il est assez puissant. Et du coup, ça nous permettra d'avoir énormément de ressources. Encore un petit peu du bois, je pense qu'on... va pas forcément manquer tout de suite, mais... les palmiers, c'est très efficace quand même. Regardez tout ce que ça rapporte. Parce que là on a l'impression que c'est beaucoup ce que je ramasse, mais vous allez voir par vous-même que c'est très peu en moment de crafter un petit peu les fondations. Voilà, si je fais ça, je casse encore un peu. L'objectif pour moi c'est vraiment de récolter un maximum de ressources. Voilà. On va commencer à faire ça ici. Encore un peu là. Bon, maintenant, passons au mode craftage. Je vais ramasser un maximum de bois, comme vous avez pu voir. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Vous voyez, franchement, il est vraiment excellent, le mammouth, par rapport à ça. Ça m'a permis de récolter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 700 bois, quasiment, et j'étais même pas encore plein. Vous voyez, c'est qu'il est, il est pas trop limité. Donc maintenant, je vais commencer à crafter enfin la petite fondation. Donc, la fondation, pour l'instant, rien de compliqué. Donc c'est parti, j'en fais 8. Voilà, on en a 8. Déjà j'ai plus de bois, vous voyez comment ça va super vite. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est que c'est impressionnant, regardez comment le bois il va disparaître. Hein. Pour certains vont me dire, mais c'est fou quand même comment ça demande du temps de construire. C'est pour ça que je vous conseille sincèrement de pouvoir avoir des animaux. Prenez le mammouth ou prenez quelques animaux avec vous. Prenez aussi une garde rapprochée bien évidemment. Si vous en avez pas, vous allez un petit peu galérer. Donc essayez de vous équiper avec tout ça pour pouvoir mieux rebondir après par la suite. Je crois que j'en ai même fait un de plus. Je suis pas certain, je crois que j'en ai fait même 9. Non, c'est bon, j'en ai 8. Parfait. Donc je vais le mettre dans la première position. Donc lui, je vais le mettre un peu au following au cas où je suis agressé. D'accord, c'est important. Et maintenant, je vais commencer à créer un petit peu une base ici. D'accord. Donc je vais la créer un peu plus haut histoire de pas trop les gêner si un jour ils font une base un peu là. Voilà, je pense que je vais la créer là. Merde, ça bug. Donc voilà, commençons les fondations ici. Donc voilà. Parce que je suis bien installé, putain, j'étais obligé de faire le plongeon.
Il y a quoi dans cet inventaire? Il n'y a pas grand-chose. Donc après, pour ceux qui me demandent de faire une maison métal, vous inquiétez pas, tout ça, ça va arriver. C'est juste une petite question de temps. Pour l'instant, je suis juste en train de faire quelques petits trucs assez sympas. Et après, vous allez voir qu'on va vraiment mettre tout ça en place. Pour l'instant, je suis en mode touriste, comme j'expliquais, ils sont plus actifs que moi. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais un peu équilibrer. Et il m'en manque même deux, en fait. Hein. Mais bon, déjà, mais t'es sérieux, Body? Eh oui, je t'ai dit que ça... C'était assez, assez chiant. Donc je vais faire plutôt une maison là, une là, et après il m'en manquera un pour crafter. Donc il me manque quoi? Du bois, on parie combien? Pour pouvoir crafter le dernier truc. Attends, là où la fondation? Ouais, c'est du bois. Ah, oh, c'est pas vrai, il m'en manquait juste un peu. Reprenons le mammouth et partons à la chasse en fait. Ce qui fait que... Eh, tu vas te calmer toi. Non, je peux pas. Ça tombe bien. Il y en a encore un petit peu sur les côtés, mais c'est pas franchement la zone la plus peuplée au niveau des ressources. Mais mieux vaut faire tout de suite immédiatement les fondations un peu plus costauds. Comme ça, sincèrement, je pourrais vraiment bâtir le truc déjà comme il faut. Ça, ça serait une base de repli ici au cas où. Voilà. Je vais juste mettre ça là. Donc je pense qu'on aura assez pour la première fondation. Après ici, faire une tour de contrôle, ça sert pas à grand chose. Entre parenthèses, j'exagère, dès que je dis une tour de contrôle, c'est juste une grande tour en fait qui va nous servir à observer les personnes. C'est pas franchement nécessaire. Donc la fondation, mais t'es sérieux toi? Ah oui, parce que c'est lui qui a le bois en fait, pardonnez-moi. C'est moi qui est un peu fatigué je crois. C'est lui qui a le bois et donc du coup c'est pour ça que je me disais, mais attends, comment ça se fait que je peux pas crafter le truc? Donc c'est tout à fait normal, hein. Voilà, et après je vais mettre des pancartes normales, comme on peut voir une comme ça, et après j'aurai pas la possibilité de mettre d'autres, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut déjà, je vais descendre ce petit cochon, qui est quand même imposant, hein. Voilà, ça me convient, maintenant qu'on a tout simplement tout ce qu'il faut, bon, je vais rapidement mettre... comment vous dire ça, une porte, mais je vais pas forcément la mettre là où vous pensez. Je peux la mettre, je sais pas moi, vers ici je pense. Au début je pensais la mettre vers là en fait, mais c'est trop n'importe quoi, donc mettons, je vais plutôt la mettre c'est le mec qui veut mettre la porte ici. Je vais la garder pour plus tard parce que j'ai une meilleure idée. Je vais essayer de faire tout le long en fait, une immense base en fait, un truc plus joli, vous allez voir, j'en dis pas plus. Et pour ça, par contre, il faudra que je charbonne au niveau du bois. Donc je pense qu'on va se retrouver juste d'ici quelques temps, dès que j'aurai un petit peu avancé. Pour l'instant, je poursuis un petit peu avec vous. Donc pour ramasser des ressources ici, c'est pas évident, quoi. En plus, t'as des piranhas là-bas. Il faudra que je fasse super attention. Ça va, le mammouth, il a quand même énormément d'endurance, qui est quand même très élevé au niveau du grade. C'est ça le point positif. Ah, ma souris s'est envolée. Des fois je perds la souris, je sais pas comment ça se fait en fait qu'elle disparaît, qu'elle réapparaît. Ça c'est pas forcément de ma faute. Parce qu'en fait ici je vais refermer tous les côtés en fait. Vous allez voir, je vais essayer de faire un truc comme dans le thriller en fait, ils ont fait. Vous avez ça en tête. Donc on a notre base principale là-bas et après on en fera une un peu plus VIP ici en fait. Un peu plus cachée. Donc les personnes, bien évidemment, auront la possibilité de nous attaquer s'ils ont envie, mais comme ça, non, on sera protégé un peu. J'espère juste que j'ai pas de stégosaure ou de carnot, parce qu'ici, j'avance pile dans la zone là où il faut pas trop avancer. Hein. Parce que pour couper des ressources, faut y aller, sincèrement. Voilà, je casse encore ici. Mais par contre, les palmiers, c'est mes préférés, ils sont petits, et ils te rapportent beaucoup plus que les arbres, quoi. Vive la logique. Allez mon petit. Oh là là, comment il passe plus là? Et là il passe pas. Donc désolé, faut que je prenne un tout petit peu plus tard. Faut que je prends le mec avec la queue là. L'animal avec la queue, je sais plus comment il s'appelle. L'onculator je crois. Je sais plus, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais c'est pas ça son nom quoi. Ah ouais, il y a même une base là-haut. D'accord, il y a déjà un mec qui s'est créé une base là-haut aussi. D'accord. Comme ça on est voisins en fait. Ça permettra d'avoir beaucoup de personnes qui vont être à proximité.
Ah, il s'est créé même des trucs ici, hein. Regarde lui. Le mec, il a perdu la plupart de ses animaux. Ah, il y en a même encore en face. D'accord. Je commence à comprendre en fait où ils sont passés les mecs, hein, finalement. Et je vais mettre ça tranquillement en place. C'est peut-être pour ça que j'ai pas assez de ressources en fait. Non, j'exagère, ici on n'a jamais de toute façon. Faut vraiment sortir de cette zone. Mais vous avez vu, ça m'a pas suffi ces 100 morceaux de bois. Hein. Ah, il en faut vraiment, vraiment beaucoup plus quoi. Encore un peu. Aïe 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 aïe. Vous voyez, c'est chiant, il n'y a pas grand chose ici. Non, il n'y a pas. Pour l'instant, dites-vous bien, je vais laisser ça comme ça, sur le côté. Je continuerai après. Et là, je crois que je vais un peu avancer un petit peu dans la base. Avec quelques constructions qui pourront être vraiment très utiles. Donc là, il y a un mec qui dort, je sais pas c'est qui. On dirait qu'on l'a placé dans une boîte surprise, regarde. Il est trop fort, le garçon. Il est trop fort, le mec. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je pense que ça va être préférable comme ça. Parce que je sais pas ce qu'ils ont prévu, donc je vais essayer de parler rapidement avec eux. Et après, je vais essayer de trouver une bonne zone, en fait, où on pourra faire une tour d'observation. Limite, un petit aéroport pour animal, quoi. Volant. Avec des aigles et tout. Vous allez voir, on n'en a pas encore fini avec tout ça, hein. De toute façon, ici, c'est une super bonne zone d'un côté. Hein. Allez, vas-y, coupe-moi tout ça. Je pense que je suis pas beaucoup de bois, là, encore. Je dois dire que je dois être à 200, à mon avis. Après, on essaie aussi de faire des plantations un petit peu de la flotte. Parce qu'on a la possibilité de pouvoir faire de la plantation. On va essayer de faire ça. Je vais voir si ça pousse vraiment bien ou pas, après, ces trucs-là. Voilà. Je casse ici. Par contre, je crois que c'est un stégosaure là-bas, non? Je crois que je préfère plus avancer. Merde, je suis bloqué. Et bah, c'est parti, la bagarre. C'est la bagarre. Mais je crois qu'il n'est pas tout saturé, ils sont deux, je m'en doutais. Ça va, j'ai la chance, c'est que le mammouth est quand même costaud. Mais faut faire attention à la stamina. Voilà, à la fin, j'ai oublié. J'ai complètement laissé tomber les deux là. Mais ça a repoussé sévère en fait ici. Hein. Un petit effort. Alors, on a combien? Allez, je dirais 200. Tu vois, j'étais pas loin. 200, 300. 300, c'est très peu. Ça sert pas grand chose. Ouais, pour minimum 1500, quoi. Parce que le pont qu'on a fait, en fait, pour l'instant, ils ont laissé un peu tomber sans partir chasser. Parce que ça leur a permis de pouvoir dompter d'autres animaux pour pouvoir les aider dans la quête de l'avancement du pont, en fait. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Si vous voyez ce que je veux dire, que de tout le temps faire des choses en fait où tu te saoules très vite. Bon, je passe par là encore. Voilà. Je crois qu'il y a un crasher là-bas, je suis pas certain. Et comment ça a repoussé là? On dirait qu'il a pas plu pendant 2 jours. Donc là j'en ai touché un deuxième juste là. Je le vois pas forcément parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, j'en ai laissé pas mal quand même derrière. Hein. Donc ça reste quand même mon préféré. Hein. Allez, vas-y. Et le pont, il a quand même un tout petit peu avancé, mais pas forcément beaucoup. Parce que ça demande du temps quand même de faire ses piliers. Hein. Donc, dites-vous bien, on a beaucoup de temps encore devant nous, donc après, ne paniquez pas. La série ARK va bien évoluer. C'est comme un peu sur... C'est comme un peu celle de Rust en fait. Elle prendra du temps à démarrer, mais dès que vous allez voir, dès que ça va être lancé, ça va être franchement lancé. Il y aura des choses vraiment positives après, je pense, à amener dans cet épisode, quoi, dans cette série. Surtout que je joue pas forcément tout seul et les personnes sont extrêmement motivées. Du coup, ça motive encore plus de rester et de faire des choses, quoi. Voilà. Donc là, je finis rapidement de ramasser ça. Et voilà. Donc moi les amis, je vous dis à tout à l'heure. Désolé un petit peu pour cet épisode où j'ai beaucoup ramassé de ressources, mais en tout cas on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque. Tout à l'heure on avait 700.
Voilà, on progresse un peu, mais c'est juste une petite question de. Je vais récolter un petit peu une petite globalité, d'accord? Et après, je vais commencer à faire un petit peu des bâtiments, etc., que je filmerai bien évidemment avec vous. Ok? Prenez soin de vous, gros bisous.